Hello les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une solution sur Zelda Tears of the Kingdom. Et vous avez vu, c'est le sanctuaire de Moga Uaka. Donc, aucune idée si je le prononce bien. Donc voilà, c'est un sanctuaire qui va se baser sur l'hydroélectricité. Et ça m'a un peu surpris parce que on sait très bien que le peuple Zora n'aime pas l'électricité. J'étais plus habituée à aller à faire ça sans, chez les Gerudo, mais soit. Donc voilà, un petit peu le tour. Vous voyez cet élément au sol, hein, vous avez tout de suite compris qu'il va falloir vous en munir. C'est une batterie. Donc on utilise le pouvoir pour le prendre. Et vous allez vous rendre ici. Vous allez poser cette batterie sur le socle. Et utiliser la pale. Donc là, il y a un coffre. On a déjà pris ce qu'il y avait dedans. Hop. Donc, cette pale qu'on va devoir coller pour alimenter en électricité la batterie. Donc, si vous êtes arrivé à ce stade de... j'allais dire Breath of the Wild, désolé, c'est l'habitude de Tears of the Kingdom, vous savez qu'il y a pas mal de collages. Pas des plus élégants, souvent, mais voilà. Le but, c'est que ça fonctionne. Voilà, donc une fois que vous avez collé cette pale, vous utilisez votre pouvoir pour saisir et voilà, impulser un mouvement qui va faire que tout simplement ça va tourner et ça va charger votre batterie. Bon, évitez de décoller. Alors, on recolle, on relance. Donc voilà, une fois que c'est que cette batterie est pleine, vous la prenez. Il va falloir faire preuve de dextérité hein, pour aller chercher ce coffre. Parce que ça se décharge quand même assez vite. Donc on le place sur le socle. Et on utilise rapidement le pouvoir rétrospectif pour remettre, pour faire un retour en arrière. Il faut être assez rapide parce que la batterie se décharge assez vite. Voilà, pour aller récupérer. Voilà, c'est une opale, c'est pas fou, mais bon. Voilà, on vous a montré comment aller récupérer le coffre. C'est optionnel, bien évidemment. Et maintenant, on s'occupe de la quête principale pour finir le sanctuaire. Donc, vous placez de nouveau sur ce réceptacle, toujours dans l'optique de charger la batterie. Hein. Une fois que c'est plein, on récupère. En fait, par rapport à Breath of the Wild, ça reste, dans l'idée, ça reste similaire. Il faut juste prendre certaines habitudes. Voilà, donc vous le placez là, ça alimente en électricité et ça vous monte tout simplement. Voilà. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À très bientôt les amis. Bye bye.